Côté des espions, il y en a la peine. Je suis un espion. C'est un cerveau, ce type. Un penseur. C'est un spécialiste des opérations cinétiques à faible impact. C'est une autre façon de dire qu'il tue les gens, pas vrai? Le tuant, absolument. Sauf que lui, il a trouvé comment le faire sans jamais être dans la même pièce. C'était un don chez lui. Et il était le meilleur. T'as mis ton chapeau, t'as enfourché ta guitare. T'as mis un slim et des converses avec ta veste de costard. T'as mis des grosses lunettes et tu t'es vaguement laissé pousser la barbe. T'es sur la trentaine et tu regardes tes gosses grandir. T'en as marre des trucs de barbares. Toute façon, t'as plus aucun étendard à brandir. T'as élevé ton niveau de vie. Tu fumes des bons cigares sur un brandy. Tu crois qu'être un bandit, c'est un choix de vie. Tu connais pas la nécessité. T'es à fond dans le superflu. J'ai pas de superflu. Alors tu penses que je me suis perdu. Tu travailles, l'effet décoiffé. Lock, chic, look, choc. T'es une caricature de caricature, mon pote. C'est pas les mecs des pubs qui te ressemblent. C'est toi qui ressemble aux mecs des pubs. Alors mettez vos petits pulls et sortez vos petites putes qui comprennent l'amour qu'avec une bite dans la bouche et un doigt dans le huc. Pendant que je mets ma capuche et que je sors mes ordures, je suis venu briser l'hypocrisie entre les classes sociales. Parle-moi avant mon 3ème juin et t'auras droit au pétage de câble d'un cas social. Tout ce qu'il y a de plus associable, en général, tu passes à table avant le passage à tabac. Je serai poli avec toi quand on se croise au tabac, mais entre une crapule qui s'en cache pas et ta sale face de connard condescendant, tu seras le premier que j'abats. J'appuie sur la gâchette même si c'est Shabbat. Je te crache en pleine tête même si c'est Ramdam. Et je te bouffe même si c'est Karemberg. Ton iPod c'est un dépotoir. Michto, ton iPhone c'est un harem. Même si je vais rien faire avec Marie-Cécile et Anne-Charlène. À part cambrioler la cave à vin de leur père. Elle est loin l'époque où on vous pistait pour infiltrer votre père et faire tourner nos affaires. Depuis que je vends plus de shit, je connais plus que des mecs en galère qui essaient d'en avoir pas l'air. Alors que tu nages dans l'aisance et que t'essaies de pas en avoir l'air. Ta seule présence m'insupporte. Comment tu me regardes ou ce que tu portes, de quoi tu parles et comment t'en parles. Et je ferai tout pour que ce soit réciproque. Tout ça pour vous dire de présumer que ce gars-là peut entendre et voir tout ce que vous faites. Non, on l'a fait enfermer à sécurité maximum. S'il est en prison, c'est qu'il veut être en prison. C'est un tacticien né. Chaque geste qu'il pose n'est jamais fait pour rien. Le gars qui l'a vu dans sa cellule, vous croyez que c'était comme ça, par hasard? Non. C'est un pion qu'il déplace sur l'échiquier. Et si j'étais vous, je me demanderais qui est le prochain pion. N'importe qui a eu à voir avec cette affaire, il va se mettre après, tôt ou tard. Je rends détestable le rap à ceux qu'il mérite app. Qui l'ont jugé par-dessus la jambe. Mon son c'est un attentat sonore. Pour monter le volume il faut un permis de port d'armes. Mais combien tu paries que si je faisais mon texte a cappella sur un air de slam, tu kifferais comme une grosse pédale. Et ta poufiasse viendrait me demander un autographe. Et chacun de tes potes me lécherait le boule. Il te faut un DA, il te faut un photographe. T'es trop fort, il te faut un disque d'or. T'es sûr que c'est toi qui écris tes textes? Putain mais c'est trop profond, y'a pas un vice de forme. Défends-toi au lieu de me jeter des fleurs. Il me serait trop facile de t'écraser. Bouge-toi avant que l'idée de mes fleurs. Je cohabiterai pas longtemps avec des signes extérieurs de pauvreté. Tu passes ta vie à la travestir, à la décorer. Moi, quand je plante le décor, il tombe red mort. J'tue le problème dans l'œuf, dans la limite des stocks disponibles. Je sais que c'est pénible, même quand je pars je reste. Et même quand je viens pas, j'arrive. J'suis déjà là quand le débat est clos. Et encore là quand le débat est clos. J'suis déjà là quand le débat est clos. Et encore là quand le débat est clos. Qu'est-ce que vous dites là? Vous dites qu'on peut rien faire pour l'arrêter? Entrez dans sa cellule et mettez-lui une balle en pleine tête. À part ça, non, vous ne l'arrêterez pas. Si vous me mordez, bah vous l'êtes.